Alors, je m'appelle Aurore Vino, je suis photographe. Je présente une série de photos sur le Mozambique, qui est un espèce de road trip entre Maputo, Tofu et Inhambane. Et cette série de photos, je souhaitais la montrer parce que j'ai le projet d'un documentaire qui va être tourné avant la fin d'année sur la scène artistique culturelle mozambicaine. Donc je voulais inviter les gens à découvrir un peu le pays et avoir comme ça un premier aperçu de toutes ces splendeurs, de toutes ces merveilles, parce que c'est un pays que j'affectionne beaucoup et que j'ai envie de continuer à photographier, à filmer, voilà. Au-delà de la douceur et de cette âme un peu particulière de Maputo, qui est une ville intéressante au niveau architectural, il y a différentes époques, tu vois, qui se mélangent au niveau des rues, des bâtiments. Moi, ce que j'aime, c'est la lumière. Et puis, il y a beaucoup d'histoires à raconter qu'on ne connaît pas forcément en France. Et comme je te dis, ça fait partie de ma vie. Donc, moi, je fais beaucoup de portraits. Je suis photojournaliste, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plein de récits et de lieux très atypiques et d'une douceur assez folle. Donc, j'ai envie de partager ça avec les gens. En fait, pour moi, l'approche du portrait, c'est une approche très sensible des autres. Donc, c'est ce que j'aime, c'est apprendre à connaître les gens, raconter une histoire. Et le portrait, c'est ouais, une forte sensibilité de l'autre. Donc, ça s'est imposé un peu naturellement. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui est très axé sur l'affect et les émotions. Et je pense qu'un visage raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. Il n'y a pas besoin de mots pour raconter une vie, mais il y a des traits qui signifient beaucoup. Donc voilà, c'est ma façon de photographier en tout cas.